Le 26 février dernier avait lieu à la Cacha Maxime de Scott Junction le lancement de Femmes et Sœurs Chaudière-Appalaches. J'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente de l'organisme, Mme Marianne Roberge. En fait, Femmes et Sœurs, il y en a partout maintenant au Québec. Il y a 17 Femmes et Sœurs au Québec. Femmes et Sœurs Chaudière-Appalaches, la mission première, c'est d'offrir du financement aux femmes entrepreneurs qui sont soit en démarrage, en croissance, soit en relève d'entreprise. On se veut aussi un service de soutien, de formation. On se veut aussi une plateforme qui permet de réseauter, donc amener les femmes entrepreneurs à réseauter entre elles. Tout ça, ça fait partie de la mission de Femmes et Sœurs Chaudière-Appalaches. Pourquoi est-ce que vous, vous vous impliquez dans cette organisation-là? Bien, en fait, c'est sûr que moi, je suis une entrepreneur, donc la mission me rejoint. De par mon entreprise aussi, qui est spécialisée en conciliation travail-famille, je comprends très bien ce que c'est que d'être en affaires quand on est une femme. Puis peut-être mère de famille aussi. C'est une dynamique qui est particulière, qui n'est pas toujours facile, mais qui apporte aussi ses avantages, ses inconvénients. Donc la dynamique, je la connais bien. Puis ailleurs, un réseau aussi d'amis et de femmes qui sont en affaires. Pour moi, c'est important de pouvoir m'impliquer à ce niveau-là. Alors moi, je suis une fille qui croit beaucoup au réseautage, qui croit beaucoup à la communication, puis au partage avec les autres gens qui vivent les mêmes choses que nous. Donc, pour moi, c'est une super occasion là, de rencontrer des femmes qui vivent la même réalité que nous. Oui, nous sommes venus au 5 à 7 de Femmes et Sœurs Chaudière-Appalaches. Nous croyons que c'est super important d'encourager l'entrepreneuriat au féminin parce que, bon, ben, si je me souviens bien des statistiques, c'est environ 35 % des femmes qui sont en affaires, mais je pense que ce serait élevé comme statistique. Là. Je pense qu'il manque de femmes un petit peu en affaires. Puis on trouve ça important d'encourager ça.